s'appellent Agnès, Florine, Marine et Mathieu. Ils ont entre 20 et 40 ans. Leur ambition ? Devenir infirmier. La caméra d'HTV Web les a suivis tout au long de leur cursus, 3 ans, pour le meilleur et pour le pire. Découvrez le 9e épisode de cette web-série inédite. Voilà 3 ans qu'ils attendent ce moment. 3 ans que nos 4 étudiants travaillent dur pour réaliser leur rêve, devenir infirmier. Et dans ce dernier épisode, nous allons connaître les résultats et le bilan de leur formation. Je retiens de cette promotion une promotion attachante, dynamique, avec du caractère, mais surtout, je suis fière d'eux, on va dire ça comme ça. Parce que à chaque sortie de scolarité, on a toujours cette petite pointe de tristesse de voir partir des jeunes qu'on a vus grandir pendant 3 ans. Hier soir, par exemple, nous avons été à une soirée qu'ils avaient organisée, puisqu'ils avaient fait une petite soirée de fin de formation, où toutes les jeunes filles étaient habillées en petites robes fort sympathiques et tous les garçons étaient habillés aussi en costume, etc. Surtout pas en robe, bien sûr, mais en costume. Et on a vu des jeunes qui ont mûri, qui ont grandi, qui sont prêts à être lâchés dans la nature en tant que professionnels. Donc, un petit point au cœur de tristesse de les voir partir, mais heureuse aussi de les avoir vus grandir et de vivre un métier qui, j'espère, leur apportera toute satisfaction. Quelques heures après notre rencontre avec Madame Caltero, le verdict tombe. Quelques larmes, mais beaucoup de joie, règnent à l'IFSI. On a eu un premier résultat il y a une semaine qui a été positif et là je viens d'obtenir mon deuxième résultat qui est lui aussi positif, donc normalement je suis maintenant infirmier. C'est bon, c'est positif, infirmière, diplômée d'État, donc très contente, très émue. Et c'est bon, donc j'ai réussi, je suis diplômée, donc je suis soulagée évidemment comme tous ceux qui sont diplômés aujourd'hui. J'étais plus ou moins confiant parce que je pensais avoir réussi mon mémoire, avoir réussi les autres étapes. Après, c'est vrai qu'on a toujours un doute, on peut jamais être sûr. Il y a toujours un partiel qu'on peut avoir raté, on ne sait pas. Donc ça reste une bonne surprise aujourd'hui. Même si on s'y attend un peu, on n'est jamais sûr à 100%. On a toujours quand même des appréhensions d'avoir loupé quand même quelque chose. Mais c'est vrai que j'étais plutôt, entre guillemets, pas sereine. Mais on ne sait jamais. Enfin, c'est vite... On peut vite avoir quelque chose qui ne soit pas passé, donc il y a de l'appréhension. je suis contente évidemment, donc je suis soulagée et puis comme je le disais, je suis reconnaissante aussi vis-à-vis des personnes qui se préoccupent de savoir si je l'ai eu, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas eu le temps encore d'envoyer un petit mot, donc voilà. Ainsi va la vie de nos 4 étudiants qui nous ont montré, à travers leur parcours, à quoi ressemblaient les études d'infirmier aujourd'hui. 3 années riches, à tout point de vue, en émotions, en apprentissage, de merveilleuses rencontres, donc très belle expérience. Et j'ai vraiment aimé le fait de pouvoir progresser d'un point de vue théorique, mais également d'un point de vue pratique tout au long des 3 ans. C'est vrai qu'on sent une progression tout au long des 3 ans, c'est vraiment agréable de se sentir progresser aussi. C'est une formation que je trouve qui est quand même difficile, qu'il faut savoir s'investir. Donc, je suis quand même reconnaissante aussi par rapport aux gens qui m'ont soutenue, qui ont en stage des personnes qui m'ont aidée à progresser. Donc, voilà. 3 adjectifs, je dirais intense, humaine et c'est une formation formidable, tout simplement. Très, très, on va dire très, très encadrante, parce qu'on est quand même très encadré, on est très loin de la fac. C'est quelque chose vraiment qu'on a pu avoir ici. On a des formateurs, on retrouve une vingtaine d'étudiants pour un formateur. C'est assez agréable d'être encadré comme ça plutôt qu'à la fac où vraiment, je dirais la pratique. Parce que la pratique, c'est quand même un gros point de notre formation. Et un troisième, je dirais la bonne ambiance générale au sein de l'hôpital. 90% des candidats présentés au diplôme de juillet 2015 ont réussi avec succès leur examen et sont dorénavant des professionnels pleins d'enthousiasme et d'envie de réussir. Certains ont même déjà trouvé un emploi, c'est le cas d'Agnès et de Marine. Dès lundi, je commence à travailler, j'ai trouvé un premier poste de remplacement pour cet été, donc pas le temps de stresser, on y va. C'est plutôt rapide, oui, je suis assez contente. J'ai entamé les démarches assez tôt parce qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile pour trouver du travail. Donc, très satisfaite d'avoir trouvé ce premier poste.
Ben, la prochaine étape, c'est de rentrer dans la vie active. Donc justement, j'attends mon attestation pour aller signer un contrat. Florine, quant à elle, est déçue. Il lui manque un partiel pour obtenir son diplôme d'État, mais ce n'est que partie remise. Elle retournera en cours 6 mois, dès la rentrée de septembre, pour repasser cette dernière épreuve en février 2016. D'autres étudiants poursuivront une spécialisation pour devenir infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire ou infirmière péricultrice. L'espace régional de formation des professions de santé du CHU forme à tous ces métiers. Plus d'informations sur www.chu-rouen.fr, rubrique « Enseignement et formation ».